sentiers elles montées. Inflation. Les 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 sentiers elles montées. Inflation. Pays handicapé. Les sentiers elles montées. Pays handicapé. Les sentiers elles montées. J'ai trouvé une plateforme. Une plateforme d'esprit d'essence avec des ailes. Hein. La plateforme là, elle est composée de bonnes fédérations syndicales et ben, association de consommateurs, la CIMI prend l'initiative pour faire ça. Société de service civil et RTS et autres encore. Donc nous tous les villes rejoignent pour avec ben, l'objectif qui nous l'est hein, l'essence baissée avec des ailes. Qui fait nous demande ça, malgré que le gouvernement vienne une flambée de prix. Ne vous inquiétez ça, l'autre 10 ans, pour nous trouver qui fait ça augmentation-là, existe, totalement inacceptable. Qui fait parce qu'en juillet 2008, l'essence de $147 baril, le marché international. L'essence qui peut vendre localement 49,50. Aujourd'hui, l'essence sur le marché international, parce que la moitié, ça soit $78 baril. Un petit peu moins que la moitié. L'essence, au lieu qu'il y ait un peu moins, qui est aussi presque la moitié, c'est 0,50 l'hiver. Mais, là, nous guettons, nous analysons, il y a toute une série de mandats qui fait continuer à ajouter, augmenter. Pour faire nous payer l'essence pour bien des pays les plus chers au monde, les parmi. Rien nous qu'est ça, nous trouvons qu'ils ne sont pas capables d'accepter. Donc là, ce qui nous veut dire, nous trouvons qu'ils ont fait de dire d'un parlement, fini à l'île Bill Borges-Pan. Je ne prends ça, je n'aboie ça 4 milliards avec ça et justice. C'est ça qu'ils ont peur. Puis l'essence, il reste pareil. Je n'aboie ni avec ça et justice. Avec ça et justice, on dit 10,30 € pour l'essence, l'ivine, 14,30 €. L'eau diesel, ils ont dit 3,30 €. L'ivine, 7,30 €. Ça veut dire, même les nanis, ils vont chercher à ce point, ils continuent quand. Tiens, pour l'instant, ils légalisent. Ils vont l'ivine taxe. Donc, ils nous peuvent demander. Mais sous l'excès du type, il y a une bonne manière que le gouvernement peut prendre l'argent. Et est-ce que c'est pour nous prendre l'argent pour une solidarité? Mais qui nous a fait faire comme ça?